Bon, c'est pas comme s'il y avait du feu qui allait arriver à voir là. Regardez-moi ça, ce piège de merde. Regardez. Ah, mais c'est vrai que j'ai. Je... Mon piège. Les pièges me font plus rien maintenant. Oui, les pièges me font plus rien parce que j'ai une capacité qui me permet de pas déclencher les pièges en marchant dessus. C'est le fait d'être furtif qui fait ça. Ok, on va monter tranquillement. On va quand même regarder s'il y a des choses dans les urnes. Hein, on va un petit peu fouiller. Ah, oh, des boissons de soins en plus. Je pense que s'ils en donnent, c'est pas pour rien. c'est que ils savent que je vais galérer après. Pour le coup, en plus, je suis dans l'ombre. Ce qui m'arrange, parce qu'il faut que je me batte. Mon père... Après, il faut voir contre qui. Oh purée. Énorme! J'ai fait tête! Mais. Voilà. Donc, ça respire encore. Donc, c'est qu'il y a encore des gens. Après, ce que j'aurais pu faire là, c'est tirer. C'est faire des trucs du genre il a rien eu ce bâtard. Ah ce bâtard. Toi là, pas bien ce que tu fais. Hein, tape, tape dans le vide, vas-y. Oh, ça va, heureusement qu'il tape pas si fort que ça. Une main, montage de niveau 50, c'est pas mal. Ah, il m'a eu! Albatard! Albatard! Il y a Albator et il y a Albatard! Bon! Il m'a vu, mais moi je t'ai vu aussi, espèce d'enfant. Oui. Voilà! Et voilà, ça y est, ça fait longtemps qu'il n'y avait... Ouf! Qu'il n'y avait pas eu un petit truc assez classe. Non, j'ai failli prendre le marteau. J'y vais pas envie de prendre le marteau. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon là, en fait, ils apparaissaient juste vers là, c'est même pas une porte. Donc j'imagine que là, on va faire ça. Ça va se refermer rapidement, il va falloir faire une petite impulsion. Voyons voir, parce que c'est pas pour rien qu'on le met loin comme ça, le truc. Même pas. J'ai mal cru. Bon. On y va tout doucement. La dague avec la lame de la souffrance. Pas confiance à cet endroit. C'est bizarre. Je suis loin du. Ouais, je suis encore un peu loin quand même. Regardez. Non, y'a rien. Vous voyez, je ne. Les... Ah merde, j'ai pris un bouclier orc, j'en ai absolument rien à faire. Bouclier orc, lâcher R. Là, par contre, ça fait mal. Merci le coffre. Et quand j'ai pas compris ce qui a cassé le truc, pour le coup, est-ce qu'il y avait un fil qui était à côté du coffre? Je sais pas. Bref, on va avancer encore un peu. Donc c'est en gros, si un jour votre maison crame, si vous avez un coffre, vous montez dessus, vous craignez rien. C'était le mot du jour. Bon, ils sont combien? Ils sont un. Ok. J'imagine que c'est lui qui a la griffe qui sert à ouvrir. Ou un grand ogre.
Et voilà! Avec une belle hache de glace nordique antique futée. Alors, la griffe de diamant, évidemment! C'est qui l'a? C'est celui qui est devant la porte! Vive la logique, dit Skyrim. Ça, ça me fera toujours rire, cette logique. Bon, allons voir dans nos objets. Griffe de diamant. Hop là, on va zoomer dessus. On a quoi? On a un renard en haut. Renard, papillon, oiseau. Voilà. Renard, papillon, oiseau. Renard. Papillon. Et oiseau. Voilà, c'est comme ça que je retiens mes trucs. Oui, je sais, c'est pas logique. Enfin, c'est dragon, je sais. Mais moi, je dis oiseau. Ouais, c'est plus mignon. Je me baisse vite. Ouais, d'accord, mais ouais, je suis encore loin quand même. Oula, ça sent les araignées là. Pas pourquoi. Non, pas vraiment en fait. Regardez, lui par exemple. En quoi qu'il est, il est mort. Et il est mort en fait. Je suis con. J'ai cru que c'était un méchant qui était vivant. J'ai vu un truc s'envoler, alors je me suis demandé ce que c'était. Bon. Oh, un cri de dragon. Mais on sait jamais. Non, hop. On sait jamais, hein. Ça sent le piège en plus. Alors qu'est-ce que ça va être comme cri, ça? Mot de puissance appris, orage tourmente. Voyons voir dans les magies. Les cris. Je sais jamais où ils sont, mais c'est pas grave. Alors, les tourmentes. Donc, on va dépenser l'âme. D'accord, en fait, ça doit. Ok, on verra. Je sais pas si ça sert beaucoup à cet endroit fermé d'avoir de l'orage. Hein. Mais bon. Je vais pas le faire tout de suite, de toute façon. Oula, un monsieur qui a été calciné. Bon, bah, on va faire le tour parce que regardez, hein, on a des trucs à ramasser ici. À mon avis, c'est pour prévoir ce qui va se passer bientôt. Urne, par exemple, là, il y a une potion. Oh non. Là, il y a des potions. Bah oui, évidemment, hein, des trucs intenses en plus, genre qu'on a pas du tout besoin en combat contre des boss. Non, pas du tout. Alors moi, j'ai plusieurs trucs de soins. J'ai donc mes potions et j'ai mon niveau que je peux monter si j'ai besoin, voire peut-être deux, sait-on jamais. Ok. Allez, une petite sauvegarde juste devant la porte. Je sais pas ce qu'il va y avoir. Skulendar. En fait, non, on n'est pas du tout arrivé. Donc ce que je vais faire, évidemment, parce que là, on va vraiment arriver, j'imagine, à un endroit. Je vais ouvrir. Je sais pas ce qui va se passer derrière cette porte. Je vais l'ouvrir. S'il se passe rien, j'arrête la vidéo. S'il se passe quelque chose, ben je continue. Et je finis ce qu'il y a à faire. Alors, est-ce qu'on va voir Alduin pour me faire chier. Bon, direct, je me fais voir. Ok, j'ai même pas eu le temps de... D'accord. Oui, bien sûr. Bon, ben on va taper. Hein. Ouais, c'est bien. Oui. Ah mais attendez. Ah mais ils sont combien? Ah mais c'est dégueulasse, attendez, je recharge, je me baisse direct dès que je... Oh, faut pas déconner non plus. Oh alors il faut vraiment que j'utilise mon nouveau cri, on va essayer. La magie... non, je vais juste aller là en fait. On va tourmente... Non c'est orage. Non c'est orage, non c'est tourmente. Je vais quand même revérifier parce que le nom je le connais pas par cœur. Tourmenter ça. Ok, bon on va tenter le coup, on verra bien. Je vais me baisser direct si possible. Je vais faire ça. Voilà. On va y aller en baissant. On va voir si je serai baissé à la fin, je pense pas. Si oui, ils m'ont vu. Oh, comme ça. L'éclair elle a bien visé là pour le coup.
tous des seigneurs, hein. Ah, c'est un dog normal. Tu es vite. Ouh, c'est là, faut que j'aille. C'est là qu'il faut que j'aille, donc ça va pas être une bonne idée. Christagine, début de rossignol. Je vais mourir, moi. Je vais mourir. Ok. Bon, je vais mourir, hein. En plus, le truc d'orage met 10 ans à revenir. Donc ça, ça va être... Ouais, je peux rien faire. Là, je peux rien faire contre ça. Il faut vraiment que je trouve un autre truc. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme moyen de les battre sans morfler trop? Ah, c'est la bonne... C'est la grosse question. Je vais tenter un truc. Donc si je rate, c'est pas grave. Hein. Je vais tenter de faire un petit déferlement. Vous allez comprendre. Nickel. Allez, un de moins. Un de moins pour me faire chier. Oh, une épée qui est tombée ici. Il y en a un qui a pas apprécié de venir se faire démonter la gueule. On va rester ici. Casque. Qu'est-ce que je récupère? Mon déferlement, par contre, il fait mal. Oh, qui fait mal, c'est enfoiré. Allez, viens! Tu viens? Je vais bientôt l'avoir, mon déferlement. Allez, viens. Viens vers moi. Viens. Ok, un deuxième. Bon, bah, y a une tactique, hein. Ouais, c'est un dogue infernal, ok. Coucou. Oh le bâtard. Bon bah on va attendre qu'on soit plus discret, hein. Ça devrait marcher au bout d'un moment. Il faut pas que je tombe si je veux pas tout me retaper. Ah non, c'est bon. Le mec pas discret. Je me cache ici, il viendra pas. Vous allez voir, ça va marcher. Il sera plus chou un moment, il va se calmer. ça va être énorme. C'est le truc le plus illogique du jeu normalement. Suspense. Allez, ferme les yeux. Est-ce qu'il va venir jusqu'au bout? Oh, il a fait l'erreur de plus me voir. Et moi, il va me voir juste derrière, je pense. Ok, lui peut me voir de très loin, là tu vas sûrement en venir. Ma petite sauvegarde, on va faire. Là. Ouh là 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 là. Ma petite technique à marche du Fousrodac. Bon. C'est parti. Oh.
Ah, pour le coup, on va prendre la meilleure flèche qu'on ait, c'est la flèche des bonites. Je vais me faire démonter la gueule en un coup. Ah bon, hein. Ou alors là, celui-là pour le tuer, ça va être chaud chaud bouillant. Donc on va recommencer, on va reprendre. J'ai des flèches des bonites. Hop là. On va se mettre comme ça. Ah, s'il s'approche, il est mort. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, attends, il me voit à peine et je... Je me trompe purée, non mais... Attendez. Alors, je reprends mon arc. Je m'équipe d'une flèche d'ébonite. Ok, bon, ça c'est bon. Bon, il va m'expliquer comment il... Ah, il y a lui peut-être derrière. On va recommencer. Ah, purée! J'ai été détecté. Il se cache. Il se cache, le petit cachotier. Moi, je vais me cacher aussi. Je vais y arriver, je vous promets. Non mais c'est pas possible, je suis censé être discret quand même, un minimum. Flèche de bonite, on recommence. Je vais y arriver. Mais n'importe quoi, qui me détecte quand... Oh mais je fais n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Mais j'arriverai pas à le toucher deux fois, c'est fou ça. Purée, ça commence à me gaver là. Je peux pas le battre, il est trop fort et là pour le coup ça me fait vraiment chier. On va reprendre l'arc, on va essayer de l'avoir de loin. Mais le problème c'est que je vais peut-être me faire attaquer par derrière et ça j'aime pas. Oh, regardez-moi ça. Mais c'est pas possible, faut qu'il arrête. Ah, mais franchement, là, je suis dégoûté. Je peux pas pouvoir le tuer en deux coups parce qu'il me voit vraiment à 10 000 mètres. Ça me gave, ça. Ça, c'est toujours ce qui m'énerve. Certes, il sait où je suis, mais direct, il se retourne, il me tue. Direct, je peux rien faire. On va tenter vers là. On va attendre qu'il me voie plus. Voilà, on va se mettre comme ça. On va attendre. Voilà, c'est le meilleur moyen, c'est vraiment de se cacher à un endroit de bâtard. Ah, le bâtard! Et va me voir, parce qu'il va passer juste devant moi, qui me sent. Ou est-ce que je me trompe? Oh! Là, par contre, je vais faire une sauvegarde rapide et je vais faire en sorte qu'il me voie jamais. Je sais pas, il est vers la droite, ok, on voit. Je l'ai raté.
Oh là là, je suis nul des fois. Ah, je suis un qui a encore les flèches d'ébonite. Bon, bah, je vais garder la dernière si j'ai vraiment besoin. Pour le coup, bah, je voulais garder les flèches nordiques, moi. Mais bon. Pas mort, ok. En même temps, si j'utilise des flèches pourries, c'est normal qu'il j'arrive pas à le tuer. Je trouve ça logique, mais bon, la dernière flèche d'ébonite, j'ai envie de la garder. Non, il me voit pas. Est-ce que c'est moi ou j'ai beaucoup de chance? C'est une question que je me viens de me poser à l'instant. Est-ce que j'ai beaucoup de chance ou pas? Parce que là, pour le coup, j'ai pas eu de chance depuis tout à l'heure, mais là, il me l'a donné la chance, là, le jeu. Hein. Wouah! Wow. Il savait juste à se tourner de l'autre côté, il me voyait, j'étais mort. Je suis vraiment un enfoiré d'essayer de me battre comme ça. Enfin bon. En même temps, le jeu, c'est un enfoiré, il m'empêche de tuer les gens avec deux coups alors que c'est ce qui va arriver. C'est pas possible. Si je le vois arriver vers devant moi. Autre technique de cache, de cache-cache. Voilà, il se barre. C'est bon. Oh là là. Ça y est. N'empêche, là, j'ai pas de dégâts à l'arc, c'est dégueulasse. Enfin, de mon tâche de niveau à l'arc, c'est dégueulasse. Prêtre de prêtre dragon. Bâton, prêtre de prêtre. Bâton de prêtre. Nakin, magie plus 50. Et lancer des sorts de soutien de guérison coûte moins 20%. Oh, c'est pas mal ça. Bête moche, mais c'est pas mal. C'est bête moche, mais c'est pas mal. Parce que l'air de rien. Par contre, ça m'enlève. Est-ce que ça m'enlève un truc? En tout cas, je suis moche, mais ça marchera. Bon. Ok. Bon, on va s'arrêter là cette fois. Je sais pas qui me voit, mais... Hein? Alors attendez. Je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu. On va faire une petite sauvegarde. Une petite sauvegarde. Non! Non, il y en a deux! Il y en a deux. Ok, vous savez quoi? C'est juste pour essayer. Si je retire dessus. Hein? C'est pas des vrais dragons? Si. Ok. Bon, voilà. J'ai peur. Au secours. Dommage qu'on peut pas, on puisse pas monter. Je dis ça mais on voit rien en fait. Attends, je vais enlever le saut. C'est eux qui me détectaient en fait depuis le début, j'avais pas vu. Bah, le truc c'est qu'on peut pas monter pour les taper et j'ai vraiment pas envie de me battre contre des dragons. J'avouerai que là pour le coup, c'est bien qu'il y en ait deux, mais ça va juste me rapporter des cris, des âmes de dragon et c'est franchement c'est pas ça qui m'intéresse. Donc je vais m'arrêter là, désolé, ça fait un boucan comme pas possible. J'espère que cette vidéo, cette session vous aura plu plutôt. N'hésitez pas à passer sur metest.com, metest.guild.fr et dans la suite on va aller à Sovngarde. Yeah. J'ai très très peur parce que mon perso est quand même très faible. Enfin bon, tout est possible, tout est réalisable, comme on dit, c'est le jeu de la vie. Salut tout le monde!